Merci beaucoup pour cette très gentille présentation. Je remercie également l'organisation de m'avoir permis de participer aujourd'hui et donc de présenter cette communication. Donc une communication qui s'inscrit dans le fil de ce qui vient d'être dit à l'instant par Claire Boisseau et également hier aussi en partie, notamment par Dominique Alios, sur la question de la représentation des artistes. Donc une question sur laquelle je ne suis pas vraiment spécialiste parce que je travaille plus normalement sur des sources historiographiques, je ne suis pas du tout historien de l'art, et sur un espace que je connais bien, donc c'est cet espace que je vous propose maintenant d'étudier et de voir un petit peu comment s'y passe l'auto-représentation des artistes. Bien que le nombre... C'est bon là ? Oui. Donc bien que le nombre d'œuvres produites en Europe centrale durant la période romane et parvenues jusqu'à nous soit significativement moins élevé que pour d'autres espaces de l'Occident médiéval, certaines réalisations artistiques liées à cette région contiennent des éléments d'auto-représentation de leurs auteurs. En raison de la faible taille du corpus, alors vous allez le voir, c'est-à-dire là on va me présenter moins de 10 œuvres, nous avons choisi de proposer une présentation chronologique qui se trouve, mais ça c'est plutôt un hasard, correspondre aussi à une division géographique, parce qu'on va d'abord voir des œuvres de Bohême et ensuite des œuvres de Pologne. Je n'en ai pas pour la Hongrie, mais ça, c'est encore une fois, ça correspond plutôt au hasard de ce qui a été conservé. Il ne faut pas y voir forcément quelque chose de des caractéristiques très marquées. Et nous ne distinguerons pas non plus les inscriptions et les représentations iconographiques, et nous ne distinguerons pas non plus les supports. Nous allons vraiment procéder simplement par ordre chronologique, étant donné que nous avons un corpus assez réduit. Alors nous allons donc commencer par deux représentations d'artistes. C'est le seul cas où nous avons des artistes qui sont représentés deux fois. Donc ce sont des manuscrits tchèques enluminés par un certain Hildebertus, donc vers 1140. Donc nous avons deux représentations bien identifiées de ce scribe et enlumineur Hildebertus et de son apprenti Everminus dans des manuscrits produits dans les pays tchèques durant les années 1140. Donc la première représentation figure au bas de l'enluminure de dédicace de l'Horologium de Lomont, qui est maintenant conservée à la Bibliothèque royale de Stockholm. Donc ça c'est une conséquence de la guerre de 30 ans. Donc ce manuscrit est réalisé vers 1142 donc à Olomouc, donc c'est dans l'est de la Tchéquie actuelle. La seconde représentation, elle figure dans une copie du De Civitate Dei de Saint-Augustin, qui est conservée à Prague, et qui a été vraisemblablement réalisée également à Prague dans les années 1140, probablement pour le monastère prémontré de Strahov, qui est aujourd'hui dans un quartier de cette ville, donc plutôt dans la partie ouest de Prague. Alors les deux enlumineurs apparaissent dans un dessin bicolore de dimension modeste situé à la fin du livre 15, et occupant le coin fédéroit du feuillet 153 Rexo, donc de ce manuscrit du De Civitate Dei. Et certains spécialistes considèrent également que leur cryptoportrait figure dans l'initiale ornée située au début du manuscrit, ce qui est également possible, mais un peu moins certain. Alors, donc, tout d'abord, donc, cette fameuse enluminure de dédicace du manuscrit d'Olomouc. Donc, vous pouvez voir dans l'image principale de nombreux personnages, dont le pape. Alors, est-ce que vous avez le pape au centre de l'image, le pape Saint Grégoire. Vous avez à sa droite l'évêque d'Olomouc, Henri Zdik, donc fondateur à l'origine de la création du premier scriptorium des pays tchèques, donc vers les années 1140. Vous avez l'évêque de Prague, Jean, donc, qui se trouve être derrière Saint-Grégoire. Vous avez également un abbé, donc probablement celui du monastère bénédictin de Radisco, donc aujourd'hui un quartier de Lomont. Vous avez un clerc du nom de Pierre, donc l'abbé est derrière l'évêque Jean. Vous avez un clerc du nom de Pierre, ça qui est sous l'évêque Henri Zdik. Vous avez ici un clerc du nom de Pierre. Et alors ce qui va nous intéresser, vous avez ici... Donc le copiste scriptor, vous remarquez très difficilement un R et un S-O-R, c'est un R scriptor ici, et vous voyez à droite H, donc abréviation d'Hildebertus, pictor, alors là pour le compte bien visible, le pictor, donc qui reprend un petit peu des choses que nous venons de voir, et là ici nous avons un peintre pour un enlumineur.
Et vous voyez également Evervinus ici, donc qui est courbé vers Eric de Berthoux et qui lui tend des coupelles remplies de couleurs. Alors passons maintenant à la seconde représentation. Alors cette seconde représentation, alors pour les personnes qui étaient en 2015 au colloque sur le livre à l'époque romane, peut-être se rappellent de cette représentation également utilisée par Jacqueline Leclerc-Marx au colloque d'histoire sur les animaux dans sa communication sur les souris. Donc très connue et très intéressante cette représentation. Donc vous voyez ici Hildebert, vous voyez ici Evervinus, donc assis sur un tabouret, en train donc de dessiner un élément de décor visiblement végétal. Donc un pupitre évidemment très extraordinaire avec ce lion ici qui tient en fait la planche du pupitre, les cornes d'encre. Et donc Hildebert est assis sur un coussin. Mais contrairement à l'attitude d'Evervinus, il est dans une attitude plus belliqueuse puisqu'il est en fait en train de chasser une souris qui se trouve sur sa table, hein, Mensa Hildeberti, et qui vient de faire tomber un plat tenant un poulet, où est le poulet ici, et qui est en train d'essayer de grignoter un morceau de pain, a priori. Et vous voyez ici sur le livre, vous avez une inscription « Pessimemus ». Alors, je vais la lire plutôt. Pessimemus saepius me provocas adiram, ut te deus perdat, ô toi la pire des souris, tu provoques toujours plus souvent ma colère, que Dieu te perde. Donc, qui non seulement va s'apprêter, on dirait qu'il veut lancer quelque chose à la souris, et en même temps, il y a ici une malédiction de la souris, donc visiblement ennemi juré d'Hildebert. Souvent interprété cette scène comme une sorte de colophon verbal d'Hildebert pour un petit peu. Comme souvent dans les colophons, émettre une critique peut-être sur ses conditions de travail. C'est souvent l'interprétation qui est faite de cette scène, qui contraste avec le caractère un peu plus conventionnel de la représentation dans le manuscrit d'Olomotz. Alors nous avons également un troisième manuscrit, alors qui là n'est pas rattaché à la production d'Hildebert et d'Evervine, c'est un autre manuscrit. Manuscrit également pragois, donc des Flores Sancti Bernardi, conservé d'ailleurs en l'occurrence à Olomouc, c'est pas à Prague. Donc il s'agit d'une copie des Flores Sancti Bernardi, florilège de textes de Bernard de Clairvaux, très populaire dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Alors comme de nombreuses autres sources de ce type, l'enluminure nous fournit de nombreux renseignements, l'enluminure de dédicace sur sa genèse. Alors, de la présence dans la partie supérieure de Saint Vitus, c'est-à-dire Saint Guy, voilà, Saint Adalbert de Prague et Saint Venceslas, nous permet d'affirmer que ce manuscrit a été réalisé dans les pays tchèques, car si ces saints sont parfois vénérés dans d'autres pays, donc Saint Vitus, Saint Guy par exemple, et Saint Venceslas dans l'Empire, Saint Adalbert en Pologne, leur association est typique de cette région. À partir de ce premier constat, et à l'aide du style de l'enluminure, ainsi que de l'analyse du reste du manuscrit, l'identification de l'évêque Daniel que vous avez ici est assez facile. L'ensemble des spécialistes considère ainsi qu'il s'agit de Daniel, évêque de Prague, de 1148 à 1167. Alors il existe un autre évêque pragois, mais à une date plus tardive, donc 1197, 1214. Merci. Donc nous pouvons conclure que ce manuscrit a été réalisé pendant cette période, donc 1148-1167, épiscopat du premier Daniel, dans le diocèse de Prague, ce que confirme également la position centrale de Saint Adalbert, ici. Lui-même, second évêque de Prague, exerça visiblement cette charge de 982 à sa mort en 997. Donc il occupe ici une position centrale parmi les saints, il est également légèrement plus grand que les deux autres, ce qui est également, peut être également une référence au fait qu'il s'agit du saint le plus lié à l'évêché de Prague, puisqu'il a occupé cette charge avant Daniel. Daniel lui-même est évidemment le commanditaire de l'œuvre et il tend un livre vers Saint Adalbert. Alors dans ce contexte, va nous intéresser tout particulièrement le seul personnage dont je n'ai pas encore parlé, qui est ici, qui est un certain Bernoldus,
et qui tient lui aussi un livre et qui peut être considéré comme le copiste ou l'auteur du manuscrit. Alors, ici on le voit mieux, un peu mieux. À côté de son prénom, on remarque un M surmonté d'un très petit cercle. Il s'agit très certainement d'un O, et ces deux lettres ont vraisemblablement pour fonction de former l'abréviation du mot monacus, c'est-à-dire moine. Et vous remarquez évidemment ici un trait qui va servir à figurer la tonsure. Donc ici, il s'agit vraisemblablement d'un moine qui a composé ce manuscrit. Alors, on n'a pas spécifiquement de mention de scriptor ou de pictor, comme vous le voyez. Nous n'avons pas non plus spécialement d'outils. Il ne tient pas de plume, par exemple, ou quelque chose. Il tient seulement le livre. Mais on peut supposer qu'il s'agit d'une représentation du copiste ou de l'enlumineur du manuscrit, représentation que d'ailleurs on va retrouver aussi dans beaucoup de manuscrits d'empire, y compris antérieurs. On peut penser au psautier d'Egbert réalisé à Trèves à la fin du Xe siècle, par exemple, et où Egbert, moine copiste du manuscrit, représenté de manière un peu analogue. Alors, je vous propose de faire maintenant un petit saut vers le nord et donc de voir les représentations sur des œuvres polonaises. Nous changeons de pays, nous changeons également de support. Donc, nous allons voir les portes en bronze de Płock. Donc, Płock, c'est dans le centre-est de la Pologne, à environ 100 km à l'ouest de Varsovie, ancienne ville principale du duché de Mazovie. Elles ont une histoire assez complexe, ces portes, dont nous pouvons heureusement reconstituer plusieurs épisodes grâce aux indices présents sur les portes elles-mêmes. Ainsi, la présence de représentation de l'archevêque de Magdebourg, Wichmann von Seeburg, que vous voyez ici, et de l'évêque de Płock, Alexandre de Malone, donc Malone, c'est en Belgique, près de Namur, donc vous voyez ici notre Alexandre. Alors, vous voyez une inscription en latin, une inscription en cyrillique, donc un autre cas de bilinguisme, mais ce n'est pas un bilinguisme qui est en réalité synchrone, contrairement au cas qui a été présenté par Claire Boisseau. Le cyrillique étant postérieur, je vais y revenir dans une petite seconde. Donc Alexandre est évêque de Płock, et donc ce qui nous permet de dater ici. Les portes, donc ces portes ont vraisemblablement été fondues à Magdebourg entre 1152, qui est la date de l'ordination de Wichmann, et 1156, qui est la date de la mort d'Alexandre de Malone, évêque de Płock. À une date inconnue, mais vraisemblablement avant la fin du Moyen Âge, les portes ont quitté Płock pour la Russie. Les circonstances de l'arrivée des portes dans ce pays sont mal connues et leur origine semble longtemps avoir été une énigme, puisqu'elles furent tout d'abord connues en russe sous le nom de portes de Kersonèse, en Crimée, ou de portes de Sigtuna, en Suède, donc rien à voir ici avec la Pologne, et le nom actuel de russe de portes de Magdebourg, où elles ont vraisemblablement été réalisées, ne s'est imposé qu'à partir du XXe siècle. Les portes se trouvent depuis de nombreux siècles à l'entrée de la cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod. Mais une copie réalisée en 1982 se trouve dans la cathédrale de Płock. Alors, le bas du battant gauche, si on se tient en face des portes, nous renseigne quant à lui sur les artistes ayant travaillé sur les portes. Alors, en effet, cette partie des portes comporte trois représentations de fondeurs, une, deux, trois, encadrant deux scènes. De la Genèse, donc Adam, Ève et le serpent, et Adam, Ève, excusez-moi, la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam, ici. Donc évidemment, on va représenter les créateurs des portes autour de scènes de la création. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc le fondeur à gauche est nommé Ricinus, et il est accompagné de l'inscription Mefaquit, donc Ricinus m'a fait, donc une inscription déjà notée hier pour l'espace toulousain par Dominique Alios. Donc cette inscription, le fait qu'il porte également une balance, donc qui lui sert à contrôler la qualité, la teneur du métal. Il tient également de longues pinces avec un creuset, tout cela suggère qu'il s'agit du maître d'œuvre. Le fondeur à droite, vous avez une représentation ici grossie, vous voyez, tient également de longues pinces tenant un creuset, tient également des pinces plus courtes. Et on a simplement ici un prénom, Weismuth. Alors, on
peut supposer qu'il s'agissait, comme dans le cas d'Evervinus, d'un assistant de Ricinus. Nous avons un troisième ici, fondeur, qui est accompagné d'une inscription seulement en cyrillique, et cette inscription, elle a été naturellement rajoutée après le transfert des portes en Russie. Donc ici, nous avons vraisemblablement, avec Ricinus et Weismuth, un cas de, encore une fois, de pair, maître assistant, maître apprenti, comme dans le cas précédent. Alors, encore un autre exemple de porte romane de Pologne. Donc, ce sont les portes ici de Gniezno. Alors, Gniezno, c'est une localité située dans le centre-ouest de la Pologne, donc pas très loin de Poznań où je réside actuellement. Siège du premier archevêché du pays, fondé en l'an 1000. Donc, ces portes possèdent des dimensions imposantes, 3,23 m de haut, 83 cm de large pour le battant droit, 3,28 m de haut, 84 cm de large pour le battant gauche. Elles ont probablement été réalisées à Gniezno dans les décennies 1170-1180. Le programme iconographique de ces portes se compose de 18 scènes relatant la vie de Saint Adalbert, second évêque de Prague, mort en martyr non loin de la mer Baltique en 997. Alors vous voyez ici la scène justement du martyr de Saint Adalbert qui est ici allongé en position de prière avec un païen balte donc qui s'apprête à le décapiter, qui lui tient les cheveux d'une main, brandit une hache de l'autre et on voit également un autre personnage qui lui plante une lance dans le flanc. Donc ça c'est la scène du martyr, une des scènes que l'on va retrouver sur ces portes. L'absence de mention concrète de commanditaire ne permet pas d'obtenir plus d'informations sur l'identité de la personne à l'initiative de la réalisation des portes, mais les chercheurs considèrent qu'il s'agit généralement de Mieszko III, dit le vieux, duc de Grande-Pologne de 1138 à 1177 ou 1179, puis de 1182 à 1202, ou bien de l'un des archevêques de Gniezno durant la seconde moitié du XIIe siècle. Plusieurs mentions d'artistes figurent sur le battant gauche, mais il convient de souligner que l'exécution de ces inscriptions est peu soignée et qu'elles ont également été endommagées, ce qui rend leur déchiffrement très difficile, à tel point qu'Alexander Gechter, l'un des chercheurs ayant travaillé sur ces inscriptions, écrit, je vous le cite traduit en français, que leur lecture s'apparente davantage à de la divination qu'à de l'épigraphie. Ce sont les propres mots. Et alors vous voyez ici pourquoi. Vous avez ici le fragment des portes et vous avez ici la tentative de transcription. Donc vous pouvez voir ici un Mefaqit sans prénom. Nous avons ensuite quelques lettres difficilement déchiffrables. Nous avons ici vers la fin un Mesfekit ou Meskulsit. Ici nous avons quelques lettres. Alexander Gechter considère que cette mention commence par le prénom Petrus, c'est-à-dire Pierre, et se poursuit par l'adjectif Luitinius, qui pourrait selon lui signifier que le fondeur venait de Luchin près de Lille ou bien de la région de Liège, mais plusieurs autres possibilités ont également été évoquées. Lev Kalinowski propose Latinus, latin, tout en considérant que Luitinius est une solution possible, mais il le corrige en Luitinius avec un C et considère que ce terme peut faire référence à la localité de Lucino, située près de la ville italienne de Côme. Par ailleurs, Zofia Boutkova propose Louatinius ou Lovatinus, mais elle précise que les solutions envisagées par Gechter et Kalinowski sont également recevables. Donc ici, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Nous avons visiblement des mentions, mais nous ne pouvons pas être vraiment sûrs de la façon dont nous devons les lire. Nous remarquons cependant la persistance de ce terme Mefaqit qu'on retrouve dans beaucoup, qu'on a retrouvé sur les portes de Płock et qu'on retrouve dans beaucoup d'inscriptions semblables, de signatures, entre guillemets, d'auteurs à l'époque romane, y compris pour d'autres espaces. Alors, je passe à du plus petit, je passe à la patène, dite patène de Caliche, donc de son lieu de conservation, qui est le trésor de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de la Vierge Marie de Caliche, donc c'est également dans le centre de la Pologne. Alors, cette patène romane n'était originellement pas destinée à Caliche. C'est un don du duc polonais Mieszko III, dit le Vieux, dont nous venons de parler, commanditaire possible des portes de Gniezno également, pour le monastère cistercien de Land nad Wartą, donc qui est un monastère également dans le centre de la Pologne, à 60 km au nord de Caliche.
Donc, comme le prouve la présence de Mieszko, ici, on voit ici la face supérieure de la patène. Ça, c'est une copie moderne faite dans les années 90 à l'occasion de la venue de Jean-Paul II à Kalisz. Là, c'est l'original. Vous voyez donc la face inférieure de la patène. Vous voyez Mieszko, Saint-Nicolas et l'abbé du monastère, donc qui était nommé Simon, sur la face inférieure de la patène. Alors, cette face inférieure va tout particulièrement nous intéresser. Mais avant, je souligne que la patène a très certainement été réalisée vers 1193, date de l'installation des moines du monastère d'Altenberg, près de Cologne, à l'initiative de Mieszko, pour renforcer la communauté monastique de Landnadvartan, fondée en 1145. Donc, je vais maintenant m'intéresser plus particulièrement au dos de la patène et surtout à une. Donc, qui présente ici le don de la patène en elle-même et d'un calice. Alors, je m'excuse, la qualité n'est pas très bonne. Et je vais m'intéresser surtout au bas de la patène. Alors ici, vous voyez l'original, ici, vous voyez la copie avec l'inscription pour Jean-Paul II. Mais c'est une copie fidèle, donc il n'y a pas à avoir ici d'inquiétude à ce niveau. Donc nous voyons dans une sorte de soupirail, sous le décor architectural ici, nous voyons dans une sorte de soupirail ici, le buste d'un homme. Donc surmonté du mot Conradus, donc Conrad, donc qui tient un petit marteau dans sa main gauche et qui nous présente, semble-t-il, la patène de sa main droite. Donc il s'agit certainement de l'orfèvre ayant fabriqué la patène. Et donc nous avons ici l'inscription qui permet de connaître son nom. Oups. Alors, le dernier élément de représentation d'artiste que nous allons étudier est une inscription donc présente dans l'église de l'abbaye cistercienne de Wąchock. Donc là, nous sommes dans le sud-est de la Pologne, à environ 150 km au sud de Varsovie. Donc l'abbaye cistercienne de Wąchock a été fondée en 179 en tant que fille de Morimont, mais la construction de l'église abbatiale est généralement datée de la période 1238-1239. Donc l'église constitue un exemple de transition entre l'art roman, qui demeure présent en Europe centrale jusque dans la première moitié du XIIIe siècle, et l'art gothique. Donc ça, vous voyez par exemple ici l'église. À l'intérieur, les voûtes sont déjà gothiques, sont en ogive. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est une inscription présente sur les contreforts. Une inscription donc assez brève qui comprend la lettre F. Alors ici vous avez l'inscription, ici vous avez une transcription qui est quand même beaucoup plus confortable. La lettre F, le prénom Simon, un signe qu'on interprète souvent comme un signe lapidaire, une petite croix. Les chercheurs affirment généralement que ce Simon était le maître d'œuvre de la construction de l'église de Wąchock. Certains spécialistes considèrent qu'il serait originaire de la péninsule italienne et aurait travaillé à la construction de l'église de l'abbaye cistercienne de Casa Mari dans le Latium, ainsi qu'à celle de San Galgano en Toscane. Donc pour résumer un peu les différentes caractéristiques de ces représentations, donc nous avons que vous voyez ici. Donc je vous ai fait des petits tableaux résumant les supports, les noms des artistes, la présence d'outils ou non. Je passe assez vite. Nous avons au total 7 œuvres, 3 provenant des pays tchèques, 4 de Pologne. Nous avons 5 représentations iconographiques avec inscription et 2 inscriptions seules. Sur les 5 représentations iconographiques avec inscription, donc les 3 enluminures de manuscrits et la représentation sur les portes de Płock, 4 comportent des représentations d'outils. La seule qui n'en comporte pas, et la patène bien évidemment, la seule qui n'en comporte pas, c'est l'enluminure des Florets Sancti Bernardi. Une seule œuvre sur 7, en revanche, indique explicitement la profession ou l'occupation des artistes. Il s'agit de l'enluminure de l'Horologium Dolomot, où on peut lire les mots, ou plutôt deviner le mot scriptor et lire le mot pictor, donc peintre, pour l'enlumineur Hildebert. Alors je fais également une très rapide synthèse sur les artistes et artisans, en marquant donc leur profession ou occupation, leur origine probable, souvent dédiée de leur nom ou bien du style de leur œuvre. Là, je m'appuie sur les conclusions des historiens de l'art, ne l'étant pas moi-même. Donc vous voyez pour Hildebert et Erwin probablement les pays germaniques. Pour le copiste Robert du manuscrit de Lomotz, on ne sait pas. Pour Bernoldus, c'est également une origine inconnue. Le prénom pourrait suggérer une origine germanique.
Ricinus et Weitmus, très certainement pays germanique. Alors Petrus, donc mentionné sur les portes de Gniezno, donc vous voyez les différentes origines proposées par les relectures de l'inscription. Conradus, une origine inconnue, prénom pouvant suggérer une origine germanique, d'autant que les moines, on a l'arrivée des moines d'Altenberg près de Cologne à cette époque, à Landnadvartan. Et Simon, donc, qui est considéré par les spécialistes comme étant possiblement originaire de la péninsule italienne. Ce qui nous donne donc un total de 9 artistes, donc 5 artistes seuls, et 2 pairs maîtres-disciples, donc Hildebertus et Vervinus et Ricinus et Weismuth. Donc l'origine des artistes est parfois difficile à établir, mais au moins la moitié d'entre eux, et probablement un peu plus, ne provient pas d'Europe centrale. En revanche, au moins 4 proviennent des pays germaniques. Il s'agit des 2 pairs d'artistes, maîtres-disciples, Hildebertus et Vervinus, Ricinus Weismuth, et peut-être quelques autres, mais nous n'en sommes pas certains. En conclusion, en dépit de la faible taille du corpus considéré, il est possible de tirer plusieurs conclusions de son analyse. Ainsi, il convient de remarquer que les représentations se composent le plus souvent d'une représentation iconographique accompagnée d'une légende et que la majorité des artistes et artisans sont identifiés par leur seul prénom et la présence d'outils nécessaires à leur activité. L'usage de termes spécifiques pour les désigner est en revanche peu fréquent, un seul cas. Par ailleurs, l'examen des prénoms des artistes et des artisans, mais aussi l'analyse de leurs œuvres, fournissent plusieurs informations sur leurs origines géographiques. Les résultats obtenus indiquent qu'au moins la moitié des artistes ne provient pas d'Europe centrale, ce qui fournit un éclairage intéressant sur le rôle des professionnels allochtones dans la genèse de l'art roman en Europe centrale. L'origine des artistes explique également en grande partie pourquoi les représentations des artistes et également la composition des inscriptions dans l'art roman d'Europe centrale sont très semblables à celles de régions plus occidentales. Hein, je vous renvoie aux similitudes avec les inscriptions et avec les modèles qui ont déjà été mentionnés aujourd'hui et hier. En effet, cette circulation des hommes entraîne naturellement la circulation des modèles, également de ces représentations à travers tout l'Occident médiéval. Et je voudrais conclure là-dessus en disant qu'il serait également probablement intéressant d'observer les représentations aussi des édifices religieux qu'on peut trouver dans l'art roman, notamment pour la période de l'Europe centrale. Vous avez ici un cas très intéressant, donc un détail des portes de Gniezno, Saint-Adalbert, donc avec la rotonde Saint-Vitus de Prague. On sait qu'elle n'avait probablement pas tout à fait cette forme-là à l'époque où Adalbert était l'évêque de Prague, et ce serait également une prolongation intéressante possible à l'étude de ces représentations dans l'art roman. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.